Manchester United est très inquiétant, les amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester United. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, ce Manchester United-là, les amis, c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant. C'est inadmissible qu'avec le budget que Manchester United a, cette équipe devait rivaliser avec l'Arsenal. Même Brighton fracasse Manchester United. Brighton, lorsqu'on compare les deux budgets, le budget de Brighton et le budget de Manchester United, il n'y a pas photo. Mais Brighton produit l'un des plus beaux footballs d'Angleterre. Pour moi, après Arsenal, c'est Brighton. Brighton produit l'un des plus beaux footballs de Premier League. Avec peu de moyens. Pendant que Manchester United peine à gagner ses matchs. Il peine à gagner les matchs. Et c'est vraiment dommage. Parce que je trouve qu'avec l'effectif de Manchester, ils peuvent beaucoup faire mieux. Ça doit jouer le titre. Cet effectif doit jouer le titre. Tu as les Marcus Rashford. Tu as les Bruno Fernandes. Tu as Casemiro. Tu as des Varane. Tu as Onana. Tu as plein de joueurs. Plein de joueurs. Les Anthony. Cette équipe doit jouer le titre. Donc, j'espère que Erik ten Hag va vite rebondir parce que dans ce genre de club, lorsque tu es dans ce genre de club, si tu n'as pas les résultats, tu seras limogé. Donc, si ten Hag ne trouve pas rapidement la solution, il sera limogé. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es inquiet pour Manchester United? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.